Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va commencer. Si on peut trouver une place, s'installer. Vous allez bien, frères et sœurs? Amen. Toujours une grâce de se retrouver ensemble, non? Oui. Bon, en tout cas, bienvenue à chacun dans ce lieu. Bienvenue à tous dans la famille du Seigneur. Bienvenue à vous qui nous suivez en ligne aussi. Quelle grâce, vraiment, de pouvoir demeurer, frères et sœurs, sous le ministère du Saint-Esprit. De pouvoir recevoir la parole de Dieu. Le Seigneur parle. Et le Seigneur nous parle au travers de l'Évangile, au travers de ce que ses serviteurs apportent. Et combien, frères et sœurs, ce soir, moi, j'aimerais vous inviter, parce que c'est ce que j'ai sur mon cœur ce soir, de chérir ce que j'entends. Et ce soir, peut-être qu'on est un peu fatigué, la journée a peut-être été un peu longue, certains sont peut-être un peu éreintés, mais combien je ne veux pas m'arrêter à ça. Je ne veux pas m'arrêter à mon état et je veux ouvrir pleinement mon cœur. Et combien je veux réaliser et je veux demander au Seigneur de m'aider à réaliser de plus en plus le trésor que sa parole est. Combien, frères et sœurs, je me dis, des fois, si on était à l'époque de l'apôtre Paul et de tous les apôtres, qu'on réalisait ce qu'ils étaient, je pense qu'on courrait derrière eux chaque instant pour entendre ce qu'ils ont à dire. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, ce qu'ils avaient sur leur cœur est transmis par les serviteurs de Dieu au milieu de nous. Et combien, moi, je veux être comme ça. Je veux vraiment de plus en plus demander au Seigneur de m'aider à chérir tellement cette parole-là que je veux courir derrière ceux qui ont ce trésor-là dans leur cœur. Et ce soir, je ne veux pas être là juste pour une réunion d'un jeudi soir, mais je veux être là comme étant dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur est là, frères et sœurs. Par son esprit, il est là. Par le ministère de sa parole, il va encore nous parler ce soir. Nous réconforter là où on en a besoin. Nous éclairer là où il manque un peu de lumière. Nous relever si on en a besoin. Et nous reprendre aussi. Ça fait partie du lot. Mais en tout cas, le Seigneur a quelque chose pour nous ce soir. Amen. Et comme je dis souvent, je ne veux pas sortir de ce lieu de la même manière que je suis arrivé. Et c'est ma prière pour moi et c'est ma prière pour chacun de vous ce soir. Amen. Allons nous lever, frères et sœurs, et demander au Seigneur de disposer notre cœur. Amen. Seigneur Jésus, ce soir, combien nous voulons réaliser encore ce privilège, Seigneur, que tu nous fais, de pouvoir nous tenir dans ta présence, de pouvoir, Seigneur, nous tenir devant toi, Seigneur Jésus. Tu nous as, Seigneur, donné le ministère de ton esprit, Seigneur, pour nous parler, pour nous éclairer, Seigneur, et combien nous ne voulons pas être légers avec cela ce soir. Car tu as payé, Seigneur, le prix le plus cher pour ça. Tu as payé le prix de ta vie. Et nous voulons, Seigneur, non seulement t'exprimer notre reconnaissance, mais une fois de plus, Seigneur, te demander que tu nous renouvelles, que tu renouvelles, Seigneur, notre soif pour ta parole ce soir, Jésus. Seigneur, nous voulons être pleinement ouverts à toi et que ton esprit parle à nos cœurs, Jésus. Aide-nous, Seigneur, à recevoir tout ce que tu as prévu pour nous ce soir, Jésus. Amen. La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non, je ne crains rien. La joie du Seigneur. La joie
soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Seul et juste et bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, tu es le Dieu. Seul et juste et bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens, tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Jésus, ton nom seul est digne d'être glorifié. Ton nom seul est digne d'être élevé, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de mes louanges.
Seigneur Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, c'est toi Jésus. Alléluia. Qu'il est doux d'être dans ta présence, Seigneur. Qu'il est grand et glorieux, ce Jésus. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Seigneur des seigneurs, tu es digne, alléluia, digne, tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons, élevons nos mains vers lui, il est digne, tu es digne, roi des rois. Seigneur et Seigneur, tu es digne, oui, digne, tu es digne, roi des rois, Seigneur et Seigneur, nous t'adorons. Tu es grand et glorieux, grand et glorieux, tu es puissant, tu es grand. Glorieux, Abba Père, tu es digne d'être loué, j'élève mes mains vers toi, tu es grand et glorieux, Dieu puissant, oui Seigneur, tu es grand et glorieux, Dieu puissant, oui Jésus, tu es grand. Lève mes mains vers toi, tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Chantons digne le Seigneur, tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Grand et glorieux, Dieu puissant, oui Seigneur, tu es grand et glorieux, Abba Père, tu es mon Père, tu es digne d'être loué, je lève mes mains vers toi, tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Alléluia. Nous sommes là pour glorifier son nom ce soir. Nous sommes là pour qu'un parfum d'adoration monte vers lui. Car il est digne de ton adoration. Oh, alléluia. Élevons nos cœurs vers lui. Il est là dans ce lieu ce soir. Oh, je t'adore, Seigneur Jésus. Nous venons.
Oh, alléluia. C'est bon de t'adorer, Seigneur. C'est bon de se tenir dans ta présence. D'avoir l'assurance que nous sommes tes enfants, que nous t'appartenons. Quelle grâce, Seigneur. Oh, merci. Merci pour cet amour que tu as manifesté envers nous. Cette grâce abondante qui a été déversée dans nos vies. Cette grâce qui nous couvre, qui nous accompagne jusqu'à la fin des temps. Te remercions, Seigneur. Toi, le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais tes enfants, qui n'oublie personne, aucun de tes élus. Tu prends soin de nous tous, Seigneur. Nous te remercions ce soir. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Il est bon. Louons-le. Remercions-le. Remercions-le. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Bonsoir, les frères et sœurs. Soyez bénis, on vous accueille tous ce soir dans le nom de Jésus. Que vous soyez là pour la première fois, pour la deuxième fois, et on n'espère pas pour la dernière fois. Vous êtes bienvenus, soyez bénis. Que le Seigneur prenne soin de vous ce soir par le ministère de son esprit, que votre cœur soit ouvert, parce que le Seigneur veut nous parler au travers de sa parole. Il veut nous édifier et nous nous attendons à lui pour cela. Amen. Ok, ça va? C'est bon. On va lire dans l'évangile de Jean. Verset 49 du chapitre 11, Jean 11, 49. Alors que les religieux discutaient à propos du Seigneur, pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire de lui, le verset 49 nous dit « L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien ». Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il n'a pas fait exprès de dire ça. Mais le verset 51 nous dit, oh, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. N'est-ce pas extraordinaire? Il se retrouve à prophétiser sans le vouloir. Hein? Du fait qu'il était le souverain sacrificateur, il fallait qu'il y ait une parole qui sorte de sa bouche pour confirmer le plan de Dieu qui devait s'accomplir pour la nation d'Israël et pour le monde entier. Et le verset 52 nous dit « Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. » C'est-à-dire que Jésus, en mourant, Paul développe cela plus tard dans son épître aux Éphésiens. Il dit que Jésus est mort afin de renverser le mur d'inimitié qui existait entre les Juifs et les païens, de manière à former un seul corps avec les deux, avec les Juifs et les païens. Hein? Et en même temps, cela nous montre que dans ce seul corps, Dieu a pour plan de rassembler ses enfants. Que c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants, qu'il se retrouve dans ce corps qui est le corps de Christ. Et bien sûr, tous ceux qui naissent de nouveau font partie de ce corps. La question est, est-ce que tous ceux qui sont nés de nouveau bénéficient de ce que c'est que le corps de Christ?
parce qu'un jour, nous serons avec le Seigneur et tout sera consumé, accompli dans son plan. Et là, nous serons tous, nous verrons à quel point nous formons un seul corps, des hommes et des femmes, des chrétiens de toute origine, que ce soit en termes de nation ou de dénomination ou quoi. Mais ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que Dieu veut nous édifier, veut édifier ce corps, il veut l'édifier. Quand la Bible parle d'édifier, le mot pour édifier, c'est le mot bâtir, construire. Hein? Et donc, ce n'est pas juste un concept abstrait qui est aussi réel que le corps de Christ, ça réunit tous les enfants de Dieu malgré leurs différences, mais il y a une manière de vivre cela qui nous fait bénéficier de la puissance qui n'appartient qu'au corps de Christ. Ça appartient au corps de Christ lorsqu'il est bâti, lorsqu'il est formé. Cela ne peut pas se voir tant que les enfants de Dieu restent dispersés, chacun de son côté. Et Jésus, il a parlé de son Église. Regardez dans Matthieu chapitre 16. Il dit à Pierre, chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. » C'est le même mot que pour édifier. Oikodomeo, je crois, si ma mémoire est bonne. Pour ceux qui aiment le grec, allez chercher. Mais ça veut dire bâtir, construire. Souvent, quand on parle d'édification, le chrétien s'imagine qu'on veut être édifié. On veut avoir quelques petites lumières, on veut être béni. Si on est béni par un message, on dit « Ah, mais j'ai été édifié. J'ai été édifié. » Mais le sens profond d'édification, ce n'est pas juste d'être béni par une prédication, par une lumière de la parole de Dieu. Ça prend tout son sens si cela construit quelque chose en nous. Parce que le but, c'est la construction. Et Jésus, lui, quand il nous édifie, il édifie son Église. Il veut édifier son Église. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait a pour but la construction de son Église, l'édification de son Église. Et dans Éphésiens 4, le Seigneur parle de l'édification du corps de Christ. Le verset 11 nous dit que le Seigneur, Jésus, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire que ce que le Seigneur vise pour chacune de nos vies, c'est de nous unir en un seul corps. Et qu'on ne s'arrête pas au fait qu'étant né de nouveau, on est un seul corps. Mais on peut être dans un seul corps, mais ne pas être dans un même esprit, d'une même âme, avoir un même cœur, et pourtant être dans le même corps. Vous imaginez le mal que ça fait à ce corps. Donc quand le Seigneur veut édifier son Église, bâtir son Église, il veut renverser tous les esprits étrangers. Tout ce qui n'est pas conforme à son cœur, à sa parole, il veut renverser cela. Afin qu'il y ait un seul esprit, une seule âme, un seul cœur. Pourquoi ? Pour qu'on puisse bénéficier de ce qu'il a investi ou de ce que son corps est
par rapport à ce que lui, il est, la tête. Parce qu'on parle du corps de Christ comme étant, comme ayant, comme tête, le Seigneur Jésus. D'accord ? Ayant comme tête le Seigneur Jésus. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit que les apôtres travaillaient à édifier l'Église de manière à les placer pleinement sous l'autorité de Christ, le reconnaître comme étant la tête, mais cela ne se faisait pas sans unité, sans travail pour réunir tout le monde sous cette autorité-là dans un même esprit. Ce n'était pas juste on est né de nouveau et puis c'est bon. Non. Bien sûr, on a le salut et tout ça, mais le Seigneur veut nous faire bénéficier de ce qu'il est en tant que tête pour le corps. Et le corps ne peut bénéficier de ce qu'il est en tant que tête que si le corps n'est pas disloqué, si les enfants de Dieu ne sont pas dispersés. Et s'ils acceptent la révélation de sa parole pour être dans un même esprit, dans un seul esprit, de manière à expérimenter sa puissance. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la puissance de Dieu que nous expérimentons, elle est dans la vie du Seigneur. Mais l'Église a tendance à voir la puissance de Dieu comme étant l'autorité qui est dans le nom de Jésus, ce qui n'est pas faux. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus, il y a des miracles, il y a des choses qui se font. Mais nous, nous sommes appelés à expérimenter la puissance en tant que membre dans un corps. Et que cette vie qui est en Christ, elle est appelée à nous inonder, à nous animer de plus en plus, ensemble, de telle manière que lorsque le Seigneur manifeste sa grâce ou nous parle, c'est un corps qui bouge, c'est un corps uni. Et il y a plus de puissance dans un corps uni que dans un membre qui agit seul. Au fait, un membre qui est seul, il n'a pas de puissance parce qu'il n'a pas de vie, parce qu'il est coupé des autres. La puissance qui doit nous animer, c'est la puissance de la vie de Jésus. C'est la puissance de la vie de Jésus. C'est pourquoi Caïphe a prophétisé concernant la mort du Seigneur, afin que le Seigneur réunisse en un seul corps, par sa mort et sa résurrection, tous les enfants de Dieu. Parce que quand il meurt, il nous donne sa vie. Naître de nouveau, c'est recevoir la vie du Seigneur. C'est recevoir le minimum qui garantit notre salut. La nouvelle naissance. OK ? Mais l'apôtre Paul s'est battu dans son ministère pour édifier le corps. Il parle d'enfantement pour engendrer les enfants de Dieu. Il parle de douleur aux Galates, il en parle aux Colossiens aussi. Comment dans son ministère, il a expérimenté des souffrances pour le corps de Christ, pour que ce qui manque aux souffrances de Christ, il l'achève en lui-même, pour son corps qui est l'Église. Et la vraie révélation de l'Évangile cherche à édifier le corps, pas à édifier simplement des individus. Ceux qui ont soif d'édification pour eux personnellement, ils ratent l'appel de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas le but. Et s'ils sont édifiés avec le vrai évangile, cela doit les amener à former un seul corps avec les autres. Sinon, ils ne comprennent pas le but de l'évangile. Quand on regarde la première église, si vous faites une petite étude de ce qui est écrit dans le livre des Actes, vous verrez qu'il est beaucoup parlé d'être tous ensemble. Ils étaient tous ensemble, ils se réunissaient. Ils étaient d'un même cœur, d'une même âme. Et c'était extraordinaire ce que Dieu faisait. Et dès le début, dès les premières conversions,
La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils étaient ensemble, tous les jours ensemble. Cela ne veut pas dire que cela doive se passer absolument sur le plan physique et géographique. D'ailleurs, certains de nos frères et nos sœurs sont isolés sur la planète. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils doivent être pénalisés? Non, parce que c'est être unis de cœur, être engagés de cœur dans le même esprit, avec le même évangile. Ensuite, si le Seigneur veut donner une croissance quelque part et qu'une église soit établie quelque part, ça va se faire. Mais tous ceux qui se retrouvent comme nous, qui avons ce privilège, c'est quand même un privilège de pouvoir nous retrouver ensemble, nous devrions comprendre que l'œuvre de l'Évangile, c'est de nous rapprocher, c'est de nous mettre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va être là tous les jours, mais quand même, ça veut dire qu'on ne peut pas être en dehors de cette communion, qu'on ne devrait pas si on comprend l'Évangile. Parce que le corps universel de Christ, il est représenté localement par des églises locales qui doivent s'unir. Et au fait, je regarde où c'est écrit ça. Ça doit être dans Corinthiens 12. Verset 12. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quand il parle d'un seul esprit, il parle de l'esprit de l'Évangile. On a été bien sûr baptisés dans un seul esprit, on a reçu le même esprit, mais dépendant de l'Évangile qu'on continue à recevoir, on va soit demeurer dans ce seul esprit, soit embrasser d'autres esprits, ce qui nous éloignera du plan originel de Dieu pour nous. Mais pour former un seul corps, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est pour former un seul corps. Ce qui veut dire que Paul, ici, parlant à des chrétiens, si c'était suffisant qu'il soit né de nouveau et rempli de l'esprit pour qu'il forme ce corps, il n'aurait pas parlé de cette manière. Il dit, mais c'est pour former un seul corps, pour fonctionner comme un seul corps. Bien sûr, comme je l'ai dit, tous les chrétiens nés nouveaux font partie d'un seul corps. Mais ce qui est important, c'est de glorifier Jésus en représentant réellement son corps. Son corps, pendant qu'il habitait sur la terre. Il vivait dans un corps qui était physique. Il faisait des miracles. Il faisait des choses extraordinaires. Et le Seigneur a dit que celui qui croit, ceux qui croient en lui feront des miracles, feront des choses encore plus grandes que lui. Mais celui qui croit en lui, c'est celui qui croit en sa parole, qui comprend son plan, qui accepte son plan. Et on voit dans la parole de Dieu que le plan de Dieu, c'est vraiment de former ce seul corps. Et que rien n'empêche un chrétien, quel que soit ce qu'il est dans le corps, de se ressentir et de savoir qu'il est membre de ce corps. Paul donne l'exemple de l'oreille, du nez, de la main, des pieds. Quel que soit ce qu'on est, si on est né de nouveau, on a besoin des uns des autres. On doit former ce corps-là ensemble. Parce que c'est notre sécurité. C'est la sécurité du chrétien. Il n'y a pas de sécurité à être un chrétien né de nouveau qui reste seul dans son coin, qui conçoit les choses à sa manière. Mais celui qui arrive à renoncer à lui-même de telle manière qu'il vient sous l'autorité de cette tête-là, et il n'y a pas d'autre endroit, d'autre manière de venir sous l'autorité de la tête qui est Christ,
en prenant pleinement sa place dans le corps. Il n'y a pas d'autre manière. C'est pourquoi ces illustrations-là nous sont données. Hein? Et au verset 27 du chapitre 12, Paul dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et là, il va dire « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. » Ce qui montre que dans le corps de Christ, il y a un ordre. Il y a un ordre d'autorité, il y a un ordre parce qu'il y a une place pour chacun. Tous sont égaux en tant qu'enfants de Dieu, mais tous, ou plutôt, mais chacun a sa place, a sa fonction en tant que membre qu'il est. Il ne peut pas être un membre qu'il n'est pas. Et le corps de Christ est riche, diversifié, il y a de la place pour tout le monde. Mais cette place qui nous rend vivants, qui nous fait bénéficier de la vie, c'est cette place en étant unie avec le corps. Unie au point que Paul dit plus haut, au verset 24, au milieu, il dit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Donc on voit bien que la vie du corps, c'est une vie où l'on prend soin les uns des autres parce qu'on est membres les uns des autres. Et c'est un point où Paul dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Hein? Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ça, c'est un corps, c'est une église qui est dans la maturité, qui ressent l'état des autres membres. Et ce qui se manifeste chez les autres membres a un impact chez eux-mêmes. Parce qu'il y a une unité, les cœurs sont proches. Hein? Et c'est l'évangile qui édifie, qui construit, qui enlève de notre vie tout ce qui nous empêche de nous unir, qui nous parle, qui nous reprend concernant toutes les choses, le monde, les fausses doctrines, tout ce qui peut être dans notre vie et qui nous prive d'être ensemble des membres qui prennent soin les uns des autres. Et ne limitons pas ce soin à des choses matérielles. C'est une partie infime. Parce que le corps de Christ, il est spirituel. Bien sûr, la charité, l'hospitalité, donner à manger, ça fait partie des bonnes œuvres que nous pratiquons et en priorité les uns envers les autres, c'est clair. Mais le corps qui doit être édifié, c'est un corps qui est spirituel, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Et l'homme ne peut pas édifier ça, c'est le Seigneur qui bâtit ça. Et le Seigneur bâtit cela par sa parole. La révélation de sa parole travaille en profondeur pour enlever les obstacles qui existent dans la chair, qui existent dans notre nature charnelle, nos raisonnements, tout ce qui est dans notre nature charnelle et qui nous prive de nous unir, d'être ensemble, qui nous prive de nous réjouir. Quand un membre est honoré, tout le monde se réjouit. Un membre souffre, tout le monde souffre. C'est ça le corps. Ce qui veut dire que ce qui arrive à un membre ne laisse pas indifférent l'Église. C'est pas parce qu'on apprend des nouvelles, mais c'est un état de cœur qu'on transporte. Parce qu'on est unis et parce que le Seigneur nous unit, c'est lui qui nous unit. Et chacun va comprendre son rôle par rapport à l'autre. C'est pourquoi je suis en train de vous dire qu'on ne doit pas limiter l'œuvre du salut à la nouvelle naissance, mais on doit comprendre l'édification du corps de Christ. Ça vous dit? Il nous faut comprendre, parce qu'une église qui ne comprend pas ça, elle va être faible.
Elle va être faible. Et c'est au travers du corps que la plénitude de Dieu vient. La plénitude de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a pleinement pour ses enfants. Ça vient dans le corps, ça ne vient pas dans un membre seul. Mais ça, c'est dans la parole de Dieu. Allons regarder un coup dans Éphésiens. Quand Paul prie pour l'Église, il prie pour les Éphésiens. Il leur dit, regardez, chapitre 1, verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds. » Et là, il parle de l'autorité que l'Église a par rapport aux dominations, aux autorités, puissance, dignité, etc. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Vous voyez ? Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude, donc ça parle de son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps est appelé à être rempli de toute la plénitude du Seigneur. Cette plénitude qui est en Christ, elle est pour nous à condition qu'on forme le corps. C'est pourquoi quand on parle de bâtir le corps, l'Église, il faut qu'on demande au Seigneur d'avoir la lumière de ce que c'est, que cela ne passe pas pendant des années par-dessus notre tête, qu'on puisse comprendre. Et que pour bâtir ce corps, il nous en coûtera ce que ça a coûté au Seigneur, c'est de mourir à nous-mêmes. Parce que l'obstacle à la construction de l'Église, c'est la chair. C'est d'arriver à renoncer à nous-mêmes. Au fur et à mesure que l'Évangile est annoncé, que nous sommes défiés et que Dieu nous appelle à la repentance et que Dieu nous éclaire et nous parle, on abandonne notre vie à ses pieds, on lâche. On lâche pour qu'il œuvre. Et quand il œuvre, il y a une mort en nous et il y a une résurrection, il y a une vie. Il y a une vie qui vient en nous. Et c'est sa vie, c'est par sa vie que nous pouvons être unis. On ne peut pas être unis par une autre vie. Et quand cette vie grandit en nous, parce que la mort œuvre en nous, plus la mort œuvre en nous, plus sa vie grandit en nous, plus elle prend de la place. Et plus nous allons vivre la plénitude du Seigneur, nous allons nous rapprocher, nous allons entrer dedans. Et un jour, quand nous serons avec le Seigneur, cette plénitude sera réellement la plénitude totale. Parce que nous serons parfaitement unis à la tête Christ. Pourquoi ? Parce que nous ne serons plus dans la chair. Il n'y aura plus aucun obstacle pour que ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il est, remplisse son corps. Mais aujourd'hui, nous devons prendre notre croix pour faire mourir notre nature charnelle de manière à ce que on rentre un peu plus dans la maturité, ce qui veut dire qu'on a un peu plus de la vie du Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas envisager la vie chrétienne en dehors de cet appel. Si on veut vivre la vie chrétienne sans cet appel, on va tourner en rond, ça n'aura pas de sens, on va devenir religieux. Mais si on comprend ça, on va comprendre pourquoi le Seigneur nous éprouve, permet des épreuves, pourquoi est-ce qu'il y a des souffrances. Il y a des bénédictions, mais il y a aussi des moments difficiles. Dieu travaille. On est parfois brisé. Le Seigneur nous arrête, le Seigneur nous reprend. Et tout ça, parce que le Seigneur veut que le membre qu'on est appelé à être puisse fonctionner, porter du fruit. L'image qui est donnée encore concernant porter du fruit, ce sont les sarments. Jésus dit que les sarments, le Père les émonde pour qu'ils portent plus de fruits. Donc la vie chrétienne, c'est porter des fruits en tant que sarment, ou encore, selon l'exemple que Paul donne, en tant que membre, qu'on soit émondé, purifié. Purifié. De manière
à devenir un membre. Ce n'est pas un membre qui est actif dans la chair seulement par des œuvres. Quoique les œuvres ont leur importance aussi, bien sûr. Mais c'est un membre surtout qui est transformé à l'image de Christ et qui va être prêt, propre à toute bonne œuvre. Quand le Seigneur va parler, ce membre-là va être prêt et va agir. Donc, il s'agit pour nous de chercher à être édifiés en tant que membre de son corps pour prendre sa place en tant que membre et être une bénédiction pour le corps de Christ. Le corps de Christ a commencé par notre église locale, là où nous sommes, et tous les frères et sœurs de partout qui partagent le même esprit, et tout le reste. Mais est une bénédiction parce que nous devenons des membres purifiés, travaillés, morts avec Christ, ressuscités avec lui, portant sa vie. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Amen. Ça fait mal, ça fait pas mal ça. Ça fait du bien de voir les choses clairement. De voir les choses clairement. Et ça, ce message, nous défie tous. Parce que nous avons tous un petit bout de territoire que nous voulons garder. Parfois, ça prend des années pour que le Seigneur nous convainc. Mais au fur et à mesure, Dieu œuvre, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il s'agit pour nous, dans Corinthiens, Paul parle de la manifestation de l'Esprit, il parle des dons spirituels. C'est après avoir parlé de la manifestation de l'Esprit par les dons de l'Esprit qu'il parle du corps. Parce que le verset 7, qui vient avant le verset 12, bien sûr, nous avons lu le verset 12 tout à l'heure qui parle du corps qui est un. Mais avant cela, au verset 7, il est dit « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Pour l'utilité commune. Vous voyez l'édification de l'Église là-dedans ? Ce qui nous est donné, c'est pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Si Dieu donne à quelqu'un le don des guérisons, ce n'est pas pour qu'il croit qu'il est l'homme, qu'il est le grand guérisseur du moment. Si quelqu'un a le don de prophétie, ce n'est pas pour qu'il croit qu'il est devenu prophète. Et tous les dons qui sont donnés ici, c'est pour eux l'utilité commune. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Le verset 11 dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » C'est-à-dire, vous voyez, le Saint-Esprit, quand il se tient au milieu d'un corps qui est édifié, il peut distribuer ces dons-là comme il veut, lui. C'est pour l'utilité commune. Donc, si on est intéressé avec l'édification de l'Église, on doit chercher les dons de l'Esprit. Alors que nous laissons le Seigneur travailler notre vie et que nous renonçons à nous-mêmes, nous recherchons à posséder en abondance les dons de l'Esprit. Le verset, le chapitre 14, et le verset 12 nous dit « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Ce n'est pas pour faire de la démonstration spirituelle.
C'est pour édifier l'Église. C'est pourquoi quand quelqu'un manifeste les dons de l'Esprit, et particulièrement quand il parle, comme les dons de la prophétie, il faut qu'il a compris c'est quoi l'Évangile. Il faut que l'Évangile ait pris son cœur pour qu'il exprime le cœur du Seigneur. On ne prophétise pas juste parce qu'on veut prophétiser, on a une petite pensée, mais on peut avoir une petite pensée qui vient de je ne sais quoi, d'où ça vient cette pensée-là. Il faut que ça soit connecté à la pensée de Christ, au cœur du Seigneur. Vous comprenez ? Mais il faut aspirer aux dons spirituels, à tous les dons spirituels pour édifier l'Église. Il faut chercher à en posséder abondamment parce que c'est ça qui va aider à dévoiler des choses qui se passent, à amener à la lumière les paroles de sagesse, paroles de connaissance. Hein ? Ça va édifier, ça va construire l'Église. Ce n'est pas juste des paroles comme ça. Mais ça va construire quelque chose, ça va unir les cœurs. Parfois, on peut être découragé, on est en train de se retirer, et il y a une parole qui vient, qui nous édifie, qui nous rattrape, qui nous remet avec l'ensemble. Et on ne peut pas les fabriquer, ça non plus. Mais il faut qu'on aspire à en avoir abondamment. Où est-ce que Paul dit ça ? Dans Romains 12. Romains 12. Si je ne me trompe pas. Voilà. Romains 12. Encore une fois, Paul parle de ce corps. Le verset 5, il dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, Romains 12, 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Vous voyez comment ça revient, ça ? Est-ce que c'est important, si la parole de Dieu met l'accent là-dessus comme ça ? Est-ce que c'est à considérer ? Certainement, hein ? Et il dit au verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, ou selon l'analogie de la foi. » C'est-à-dire que si quelqu'un parle de la part du Seigneur, il faut que ça soit conforme à l'esprit de foi qui anime le corps, qui est dans le Seigneur. Il ne faut pas que ce soit des paroles qui sont données et qui n'apportent pas le même cœur. C'est ça que ça veut dire, ça, ici. Oui ? Est-ce que vous savez que Paul voyait le don de la prophétie comme le don le plus important ? Moi, c'est ce que je comprends dans ce qu'il dit. Le chapitre 14 de 1 Corinthiens, verset 1, il dit « Recherchez l'amour ». Aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Hein ? Pourtant, si on mettait tout le monde un petit peu, on faisait un sondage, on demandait un peu qui voudrait quel don ? Il y aurait déjà au moins 50% qui voudraient le don de faire des miracles. Oui. Mais Paul parle d'aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Il voyait la prophétie comme un élément important. En effet, celui qui parle en langue, non pas qu'il méprise le reste, parce qu'il dit d'aspirer à tous les dons spirituels, mais il dit surtout au don de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc vous voyez que Paul voyait l'importance du don de prophétie parce que ça édifiait. Parce que c'était l'occasion que le Saint-Esprit allait utiliser quelqu'un pour amener
une parole de la part du Seigneur qui se trouve dans le cœur du Seigneur. Pourquoi ? Pour édifier, exhorter, consoler. On peut comprendre là pourquoi est-ce que Paul voyait la prophétie comme un don extrêmement important. Parce que l'Église était appelée à être persécutée. Les chrétiens étaient appelés à avoir des combats et des moments de souffrance. Et Paul savait qu'il n'allait pas y avoir des guérisons tout le temps, il n'allait pas y avoir des interventions surnaturelles en toutes les circonstances, tout n'allait pas se passer selon ce que le chrétien voudrait, en se disant, je voudrais éviter ce problème, Seigneur résout ce problème, mais s'il fallait passer dedans et que les autres dons ne se manifestaient pas, le don de la prophétie restait quelque chose de très important parce que ça consolait. Ça réconfortait. Ça nous montre que dans le plan de Dieu, même ça se révèle dans les dons spirituels, que Dieu a prévu ce don, et Paul en parle comme très important, parce que c'était quelque chose qui allait être normal, que les chrétiens allaient être éprouvés, et ils allaient besoin d'entendre le cœur de Jésus pour eux dans les moments difficiles. Et pas seulement qu'on leur rappelle des promesses que Dieu peut tout faire. Parce que celui qui prophétise selon l'analogie de la foi, il ne va pas insister sur le fait que Dieu va faire un miracle, il n'est pas là pour ça, celui qui a le don de la prophétie. Même s'il peut l'exprimer, mais il va surtout consoler, exhorter. C'est comme ça qu'il va édifier. Et Paul dit, surtout à celui de prophétie, hein, si vous voulez savoir à quoi aspirer. Hein? Mais ça ne vient pas dans le cœur s'il n'y a pas une œuvre de Dieu qui nous édifie en tant que membres où nous sommes unis au corps pour ressentir les souffrances sans pouvoir parfois les expliquer. Mais nous avons une inspiration qui fait que c'est comme si que Dieu nous révèle qu'il y a une souffrance quelque part. Sans qu'on sache qui c'est, quoi c'est, ou plutôt ce que c'est. Mais là, on va simplement amener la parole de la prophétie qui va être un miracle, qui va dévoiler le cœur de quelqu'un et on sortira de là, on ne saura peut-être même pas qui a été béni. Et pas la peine d'aller chercher. Amen. Donc, vous voyez, c'est toujours une question de corps qui s'unit, où on est intéressé par l'édification du corps. Et on a été baptisé, on a pour renoncer à notre vie passée, notre vie de païen, pour intégrer ce corps. Pour intégrer ce corps. C'est pourquoi si on veut vivre la puissance de ce corps, on ne peut pas vivre comme nous vivions, comme les païens autrefois. Vivre pour nous-mêmes, être égoïste. Mais nous devons avoir un zèle dans notre cœur pour nous rendre utiles, pour prier, pour être ensemble, de manière à vraiment former ce corps-là. Selon la grâce que Dieu nous accorde, selon la force que Dieu nous accorde. Hein? Et il y a des choses qui vont se passer, et Dieu parlera. Dieu veut parler au travers d'un corps, pas seulement au travers d'un homme ou de quelques hommes. Mais vous ne pouvez pas venir parler si vous n'avez pas été engendré dans l'Évangile. Vous allez raconter quoi ? Vous avez raconté ce qui passe dans votre tête. Vous n'avez pas parlé en tant qu'un membre qui est travaillé par lui, qui ressent les choses vraiment dans l'esprit. Vous allez parler de vous-même, juste pour prophétiser, pour donner une petite parole. Tout le monde va sentir que c'est sec. Ça n'amène rien. Ça n'amène pas de réconfort, de consolation. Donc, quand on veut prendre ce chemin pour les dons spirituels, Paul
parle dans 1 Corinthiens 13, il parle à la fin du chapitre 12, au verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, les dons les meilleurs, ça peut être aussi les dons qui sont nécessaires dans le moment actuel. Hein ? Il y a des moments où certains dons sont nécessaires. C'est les dons les meilleurs. On aspire à une efficacité. On ne veut pas juste battre l'air. Donc on aspire aux dons les meilleurs. Seigneur, utilise-moi comme tu penses que c'est mieux, selon les besoins de ton peuple. Et Paul dit, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et de quoi est-ce qu'il va parler ? 1 Corinthiens 13. De l'amour. De l'amour. L'amour, selon le modèle de Dieu et le modèle de Christ à la croix, c'est le don de notre vie pour notre prochain. Ce n'est pas un sentiment qu'on porte dans notre cœur, bien que ça se manifeste en nous, c'est un témoignage que nous avons, que nous aimons, mais c'est plus que ça. C'est le don de notre vie. L'amour, c'est être prêt à donner sa vie. Et c'est le faire pour les autres. L'amour, Paul dit que c'est une voie par excellence. Parce que quand on donne notre vie, c'est là qu'on va trouver les besoins, c'est là que Dieu va nous utiliser pour encourager, pour exhorter, parce que les dons spirituels ne se limitent pas seulement à un moment de rassemblement. Ça ne veut pas dire que maintenant les chrétiens vont se retrouver à deux là, se donner une prophétie l'un sur l'autre. Parce que Paul parle de quand même d'être en mesure de juger les prophéties. Parce que tout ce qui est parlé, il faut qu'on arrive à mesurer qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on ne peut pas faire ça sur le parking, comme a enseigné le frère Peter Mackenzie. Hein, on court sur le parking parce qu'on a une petite parole pour le frère. Non. Mais par contre, on peut être dans des circonstances où Dieu nous utilise pour prier pour quelqu'un qui est malade. Dieu nous utilise où on dit quelque chose à quelqu'un et tout d'un coup, c'est comme une lumière qui vient en lui. C'est comme une directive, c'est comme une parole de sagesse qui lui est donnée. Et ça ne se passe pas d'une manière solennelle, hein, comme quelque chose que là, on s'apprête à faire. Mais parfois, ça vient tout naturellement. Moi, il m'est arrivé d'avoir des paroles de connaissance, d'être utilisé par le Seigneur et de réaliser que tout d'un coup, le Seigneur vient de m'utiliser pour révéler à quelqu'un, parfois d'un petit détail, ce qu'il en est de la circonstance. Et la personne dit, et pourtant, je ne lui parle pas de son cas, absolument. Mais ce que je suis en train de dire, tout d'un coup, ça le concerne bien même. C'est comme si c'est sa situation même. Il m'est arrivé aussi, ça arrive. Sans vouloir, sans qu'on le veuille. Hein? Qu'on dise à quelqu'un, eh ben ça vient de tel endroit. La personne dit, devine d'où ça vient. Je dis, ça vient de tel endroit. Pourtant, je ne connais rien. Il me dit, ben, comment vous savez ça? c'est des petits détails, mais ça, Dieu peut nous utiliser. Vous voyez, Dieu peut nous utiliser. C'est une porte qui peut s'ouvrir pour l'Évangile, ou ça peut être un encouragement pour quelqu'un ou quoi, mais Dieu peut nous utiliser sans que ça soit très, très, très formel, très... Et là, je vous parle d'expérience avec des païens du dehors, mais même avec l'Église, le Seigneur peut vous utiliser. Mais il ne faut pas les raconter n'importe quoi. Hein? Et vous savez comment toutes ces choses-là ont été un peu
ont fait que les dons ont été méprisés. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont entrés dans des choses, ils racontent leur vision, Dieu m'a dit, et finalement, il n'y a rien dedans. Toutes ces choses-là, on les pratique avec crainte. On ne les pratique pas comme ça, systématiquement, croyant que là, oui, on force le passage. Non, ça vient, c'est des choses que le Seigneur a préparées, que l'Esprit distribue lui-même. Mais le Seigneur peut nous utiliser, mais le chemin, c'est l'amour. Ce n'est pas l'orgueil. Parce que si on est là en train de vouloir que Dieu nous utilise, mais qu'est-ce qui nous motive là-dedans? Paul dit qu'il faut que ce soit pour l'édification de l'Église. Il faut que ce soit pour faire du bien. Quand tu as ce cœur-là, le Seigneur t'utilisera. Aspire à ce qu'il t'utilise. Mais sois prêt aussi, si tu es dans un truc bizarre, qu'on te dise que ton truc est bizarre. Donc il faut réviser. Il faut revoir. Ah, ben si c'est comme ça, il vaut mieux pas commencer. À toi de voir. Mais si tu veux servir le Seigneur, comme tout le monde, tu vas faire quelques erreurs, mais il y a des erreurs qu'il ne faut pas faire. Dans lesquelles on ne peut pas se permettre de parler dans la vie des gens n'importe comment. Hein? Donc ce qui est important, c'est que ceux qui sont animés de l'Esprit, ils aient le cœur du Seigneur. Ils soient animés de la bonne foi. Ils croient dans le Seigneur. Ils ont la lumière de l'Évangile. Ils comprennent ce que Dieu veut faire. Et ils sont prêts à encourager, à exhorter. Ils sont prêts. Et le Seigneur commence à parler dans le cœur. Et Dieu nous utilise. Et au moment où Dieu nous utilise, nous sommes remplis de l'Esprit. Nous sommes heureux parce que Dieu nous utilise. Mes frères et mes sœurs, il y a tous les dons spirituels pour être utilisés par le Seigneur. Amen. On ne va pas commencer là par donner des prophéties aux uns et aux autres. Là, il y a des choses parfois qui se développent, qui amènent le désordre dans les églises. C'est possible, mais il y a un temps, il y a des choses qui doivent se passer. Et Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais aspirons à édifier l'Église, à être utilisé par le Seigneur sans orgueil. Et prenons la voie par excellence, l'amour. Quand on prend cette voie-là, Paul dit que l'amour est patient, il est plein de bonté. Hein? On est travaillé pour être patient et on est plein de bonté, on est prêt à donner. L'amour n'est pas envieux, on n'envie personne. On est libre de ce que les autres sont. L'amour ne cherche point son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. Hein? On a un cœur, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est un cœur, ça, c'est le cœur de Jésus envers nous, ça. Quand nous partageons ce cœur-là, nous sommes animés d'une foi, hein, qui vient de son cœur, et là, ben, nous pouvons être utilisés par lui, parce que nous le représentons, par ce que nous faisons et par ce que nous disons. Sinon, nous sommes en train de parler dans l'air. Hein? Mais il faut aspirer. Amen. Donc, nous tous, nous avons part à l'édification de l'Église. Nous tous, nous sommes appelés. Mais nous ne pouvons pas le faire librement, efficacement, sans laisser Dieu travailler notre vie et mettre le cœur de Jésus en nous pour que sa pensée nous anime. Moi, je vous exhorte, les frères et sœurs, je vous encourage. Vraiment. À aspirer à ces choses. Et bien sûr, on ne peut pas être animé de ce dont je parle là, en étant la radio locale des événements de l'Église et de la vie des chrétiens, partout où nous allons. Et nous sommes en train de blaguer et de parler les uns sur les autres. Ça ne peut pas se faire avec des gens qui n'ont pas un cœur pur. Ceux qui n'ont pas un cœur pur, ils doivent rester tranquilles. Hein? Ceux qui n'ont pas un cœur pur, venez pas. Si votre cœur n'est pas pur, ne venez pas. Si votre cœur est pur,
et que vous êtes édifié par le Seigneur vous-même. Dieu a accompli quelque chose dans votre vie et vous aspirez, et le Seigneur se sert de vous. Eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça va se faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, cherchons à être utilisés par le Seigneur, hein, mais laissons Dieu briser notre orgueil, parce que sinon, ce n'est pas la voie de l'amour que nous prendrons, c'est la voie de l'orgueil. Être vu comme quelqu'un qui fait des choses, ça sent extrêmement mauvais. Il faut être brisé pour amener les choses du Seigneur. Hein? Sinon, même quelqu'un qui va prophétiser, il est sous l'influence de quelqu'un d'autre, il n'a pas pardonné, son cœur n'est pas pur. Qu'est-ce qu'il va venir raconter d'après vous? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui va sortir d'après vous? Mais il va lui régler son compte. Il ne va pas pouvoir parler avec un cœur pur. Quand ton cœur est pur, tu es patient, tu excuses tout, tu crois tout, tu supportes tout. Tu as un cœur qui te permet de parler de la part du Seigneur. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas. Hein? C'est pourquoi la voie par excellence, c'est la pureté de cœur pour être rempli de l'amour de Dieu. Alléluia! Ça vous va? Comme vision? Parce que vous voulez servir le Seigneur, mais vous n'avez pas juste servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est vaste. Mais servir le Seigneur comme membre. Je veux être un membre de son corps. Ça va coûter, hein, parce que les membres ont été crucifiés avant d'être utilisés dans la résurrection. Hein. Ils ont été crucifiés, ces mains-là. Hein. Donc, que le Seigneur vous encourage tous. Hein. Allons nous mettre debout, allons remercier le Seigneur ensemble. Allons prier. Alléluia. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci de nous éclairer, de nous enseigner ta parole, de nous montrer ce que tu attends de nous, ce que tu veux faire à travers nous. Tu as fait de nous tes enfants, mais nous voulons être tes serviteurs et tes servantes qui prophétisons dans ces derniers temps, qui avons dans notre cœur ta parole pour exhorter, pour réconforter, des encouragements les uns pour les autres. Seigneur, réveille les cœurs. Ceux qui n'ont jamais expérimenté cela, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils te cherchent, qu'ils aspirent à être utilisés par toi. Je te remercie ce soir, Seigneur, que ton esprit nous accorde cette grâce d'entendre ton cœur dans cet endroit, de te voir à l'œuvre par les manifestations spirituelles. Que l'Évangile, la vérité de l'Évangile soit appuyée par les signes de l'Esprit, par les signes de ces manifestations spirituelles. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci et glorifie ton nom. Nous te bénissons. Alléluia. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous voulons nous réveiller. Nous réveiller dans l'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois glorifié Jésus. Nous louons ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a encore un seul Seigneur, uni en esprit. Nous avançons ses louanges sur nos lèvres, sa parole dans nos cœurs. Et nous marchons avec puissance, nous proclamons ta gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une âme.
génération choisie, appelée à le louer. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte. Nous croyons en Jésus et devant nos voix vers le Seigneur. Il y a comme un seul Seigneur, uni en esprit, nous avançons. Sa parole dans nos cœurs, et nous marchons avec puissance, nous proclamons sa gloire. Nous, le peuple du Seigneur, nous sommes une nation sainte, génération choisie, appelée. Nous sommes une nation sainte, nous croyons en Jésus et levons nos voix vers le Seigneur. Et levons nos voix vers le Seigneur. Et levons nos voix vers le Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous montres tes voix, Jésus. Cette voix par excellence. Oui, ce soir nos cœurs ont entendu ta voix, Seigneur. Et combien nous voulons vraiment te plaire. Nous voulons que cet amour, Seigneur, anime notre cœur. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes place en nous. Que nous devenions vraiment des hommes et des femmes efficaces entre tes mains, lequel tu peux nous en servir comme tu veux, là où tu veux. Que nous puissions porter ce parfum, Seigneur, notre seul désir, de ce que nos cœurs, nos vies soient engendrés par l'Évangile. Que nous puissions, Seigneur, te représenter dignement, là où le monde est en train de s'écrouler, où le monde est en train de se déchirer, se perdre. Tu es en train de nous éclairer, nous instruire et de nous rendre capables de pouvoir répandre l'odeur de ta connaissance autour de nous. Il y a tant de misère dans cette société, tant de pauvreté, et combien ce soir tu as encore emmené ta parole pour nous éclairer, pour emmener des choses dans notre cœur que nous prenons vraiment à notre place. Et que nous puissions fonctionner là où tu nous demandes, Seigneur, de pouvoir dispenser ta parole droitement, de faire valoir ta parole, ton évangile, lequel que nous entendons chaque jour. Quel privilège, quelle grâce que tu nous accordes. Merci encore ce soir de nous faire du bien, de nous éclairer, d'ôter les écailles de nos yeux. De nous montrer, Seigneur, comment te servir, comment être des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, des hommes qui cherchent vraiment à te plaire. Seigneur, glorifie ton Fils Jésus dans notre vie. Ce soir, nous nous inclinons nos cœurs devant toi. Seigneur, pour le temps même perdu, lequel que nous avons peut-être même négligé, mais Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à racheter le temps, à rattraper tout ce que nous avons perdu parce que nous n'avons pas été éclairés. Mais à chaque fois que tu nous éclaires,
Nous voyons, Seigneur, notre passé, nous voyons notre vie et nous voulons rectifier. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons saisir l'opportunité de quel que tu nous accordes de saisir ta grâce et de te servir dignement. Merci, Seigneur, pour ta révélation. Ta parole, elle est simple, mais elle est claire. Elle est puissante. Elle renverse nos plans, nos raisonnements. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni. Sois glorifié. À toi la gloire, Jésus. Levons nos mains et nos voix vers Jésus. Remercions-le ce soir. Remercions-le de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que le Seigneur ne nous a pas parlé ce soir. Quel que soit le domaine de notre vie, Dieu nous a parlé. Il a mis son doigt là où il le faut. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. N'est-ce pas? Vous avez été encouragé, béni, défié. Je crois que le Seigneur est en train d'organiser vraiment son église, son puzzle. Mais laissez la main du Seigneur agir dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous remercions le Seigneur pour sa fidélité envers nous. En tout cas, nous avons vraiment été bénis ce soir. Et nous sommes vraiment des privilégiés, n'est-ce pas? Nous recevons tellement de choses. Mais je dis, mais Louis, mais qu'est-ce que tu fais avec cela? Mais il est temps pour nous de faire fructifier ce que nous recevons de la part du Seigneur. Alléluia. En tout cas, si quelqu'un il a entendu la voix du Seigneur ce soir, et que peut-être ce n'est pas exactement ce que vous attendez, mais peut-être l'Esprit de Dieu vous a parlé, et si vous voulez nous rencontrer, vous voulez donner, peut-être même donner votre vie à Jésus, vous voulez en savoir plus, vous voulez un contact avec nous, nous sommes là pour vous, à votre disposition. Vous avez des questions? Venez à la fin de notre rencontre. Nous sommes là à votre disposition. Amen. En tout cas, bon retour chez vous. Et merci de faire le déplacement et soyez prudents. Bon retour chez vous.